déchéance en fait au niveau de mon état de santé. J'ai senti une vague qui m'a traversé avec une perte de mémoire immédiate, une perte de concentration, une espèce de flou. En un quart d'heure, j'ai vieilli 10 ans d'un seul coup. Toutes les facultés intellectuelles s'arrêtent. Vous êtes obligé de faire des efforts surhumains pour savoir combien font 1 plus 1. C'est quelque chose de à l'intérieur de la tête. Je me sens électrifié. On a mal à la tête. Toujours. Petit à petit, ma santé s'est dégradée. J'ai eu des problèmes pour dormir. Je ne dormais pratiquement plus. Des douleurs partout, de temps en temps, avec de temps en temps des acouphènes, mais tout le temps mal à la tête. Ce qui est quand même plus ou moins fort, mais sans interruption, quoi. Je me suis sentie de plus en plus brûlée, attaquée. J'ai eu les poumons comme vraiment brûlés. Comme si vous étiez en état de choc. Donc c'est-à-dire, c'est comme si j'avais vraiment reçu un coup de gourdin sur la tête. Comme si on m'avait arraché toute la peau et les terminaisons nerveuses qui se trouvent dans le derme étaient à nu. Donc la situation est intenable, c'est une torture généralisée, permanente. C'était impossible d'aller au boulot, c'était impossible de travailler, c'était impossible d'aller chez quelqu'un, c'était impossible de prendre le métro. Ça l'est toujours, hein. Prendre le métro pour moi maintenant, c'est impossible. Mais à l'époque, c'était très grave. Je pouvais avoir des crises dans le métro et devoir sortir de la rame en courant, comme si... Sinon, je risquais de tomber, enfin, je risquais l'évanouissement, la perte d'équilibre, je risquais des trucs graves. Combien de jours, ça se situe même en années, le temps que j'ai perdu à être une morte vivante. Je vais souvent sur l'ordinateur et je me bloque beaucoup plus quand je suis près de mon ordinateur ou de mon téléphone portable que quand j'en suis loin. Je cherchais un médecin chercheur, en fait. Quelqu'un qui allait prendre mon problème à bras-le-corps et qui allait vraiment m'épauler pour aller dans le sens dans lequel je voulais. Bon, c'est, à mon avis, une grosse erreur de ma part, parce que directement, j'ai été catalogué maladie psychique, etc. Aller voir un psychiatre, aller voir des psychothérapeutes, etc. Mon médecin, qui lui pensait que c'était psychosomatique, m'avait dirigée chez un psy. J'ai fait des séances chez un psychiatre, chez un psychologue. Enfin, j'ai vu beaucoup de monde, mais ça ne me convenait pas. Je pense que vous simulez, que vous extrapolez. Je crois qu'on est allé jusqu'à dire même que ces gens-là, il fallait les mettre en psychiatrie. Ils m'ont avoué qu'ils avaient cru au départ que je me fichais d'eux. Que je racontais n'importe quoi. J'étais bourré de médicaments, antidépresseurs, somnifères, et ça ne faisait rien, en fait. Hein. Des fois même, c'était pire pour certains médicaments. Et donc, j'allais chaque fois trouver les médecins, et donc, à un moment donné, en 2004, on m'a vraiment déclaré en burn-out. Hein, c'est le terme qu'on a utilisé. Un autre médecin a utilisé le terme de dépression avec névrose obsessionnelle. Donc, pour vous dire jusqu'à quel point ça va. Thank you.
aujourd'hui, les malades sont là. Je ne peux pas les supprimer pour faire plaisir, si vous voulez, au pouvoir public ou politique, aux opérateurs. Ils sont là. Ce sont de vrais malades. Et l'idée de dire que ce sont des malades psychiatriques est absolument inacceptable. Alors, le médecin est quelqu'un de grande qualité, mais il a ce défaut que quand il ne sait pas, il n'a pas d'autre recours que de dire que c'est psychosomatique ou psychologique, etc. En fait, parce qu'il y a une méconnaissance des problèmes de santé environnement, notamment de ces problèmes d'ondes électromagnétiques du médecin. Il n'est à la fois pas formé à la fac comme il faut, et il a dans sa formation continue, c'est extrêmement rare d'avoir des sujets, j'allais dire, environnementaux. Donc il ne sait pas. Et puis, ceci dit, il doit faire preuve d'humilité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de maladies, hein, la fatigue chronique, les fibromyalgies et l'électrosensibilité dont on ne sait pas tout. C'est pas pour autant que ces gens ne doivent pas être pris au sérieux. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse preuve d'ouverture d'esprit, d'humilité. Nier ce discours, nier la souffrance de ces gens, c'est faire fi d'une partie de la population, et c'est de toute façon penser qu'il y a tout le temps des sacrifiés s'agissant de la modernité, et qu'eux en font partie, et que ce sera les sacrifiés eh bien, du 21e siècle, et que de toute façon ils sont minoritaires, c'est pas très grave, ce qui est véritablement scandaleux. Nous sommes tous environnés dans un brouillard, comme un peu aujourd'hui ce brouillard dehors, n'est-ce pas, qu'on voit, et ce brouillard électromagnétique, on le voit pas, on le sent pas, et il y a quand même des effets à la longue. C'est un sujet hautement sensible. Peut-on ou non devenir allergique aux ondes électromagnétiques ? La question est fondamentale. Nous sommes aujourd'hui en France 66 millions d'abonnés au téléphone mobile. Or, de plus en plus de personnes affirment que ces ondes sont pour elles source d'un inconfort absolu et de malaise extrême, les condamnant à vivre comme des reclus. Alors, qu'en est-il exactement ? Que dit la science au sujet de l'électro-hypersensibilité, cette maladie nouvelle ? Le problème avec les champs électromagnétiques, c'est que un certain nombre de sujets, la plupart les tolèrent jusqu'à une certaine limite, et qu'il y a un certain nombre d'individus qui ne les tolèrent pas. Ce sont en général des gens qui sont susceptibles aux champs électromagnétiques et qui, après l'intolérance, vont avoir le développement d'une électrosensibilité, c'est-à-dire qu'ils vont être intolérants pour des champs électromagnétiques de très faible intensité. J'étais dans les premiers en France dans les années 80, fin 80, début 90, quand le réseau commençait à être à peu près... quand toute la France commençait à être à peu près couverte, j'ai eu mon premier téléphone portable. J'ai utilisé un forfait, raisonnablement. J'avais 2 ou 3 heures par mois. Je ne dépassais jamais ça. Je n'étais pas souvent appelé, donc je n'ai pas utilisé beaucoup. Mais au bout de 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à avoir, en approchant le téléphone pendant les conversations, quand il était allumé en conversation près de l'oreille gauche, je commençais à avoir des douleurs dans l'oreille, un échauffement, mal de tête, des petits problèmes de concentration au bout de quelques minutes de conversation. En 2000, j'ai déménagé dans cette maison-ci. Et donc, j'avais installé des détecteurs pour l'alarme, des détecteurs anti-intrusion, donc balayage radiofréquence. J'avais installé un téléphone DECT, DECT. Et puis alors, en 2004, j'avais finalement installé le Wi-Fi. Et alors, en 2004, c'était la catastrophe. Donc je crois que toute cette progression, et alors en 2002 également, une antenne GSM est venue compléter, je dirais, le brouillard électromagnétique que je m'étais créé. Donc voilà. Et en 2004, ça a été l'année vraiment catastrophique. L'intolérance, c'est les symptômes que présentent ces malades. La susceptibilité, c'est pourquoi certains sont intolérants au champ électromagnétique et d'autres pas. Et là, nous sommes bien sûr dans, si vous voulez, un contexte génétique. Et puis, troisième point, à distinguer au plan biologique, certains de ces malades deviennent électrosensibles. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement qu'au début, ces malades sont intolérants à des champs électromagnétiques d'intensité, disons, normale, et au fur et à mesure que la maladie progresse, ils vont devenir intolérants à des champs électromagnétiques d'intensité très faible. Ça a commencé il y a à peu près 2 ans, c'était à la rentrée 2010, à Saint-Girons, a priori
ils ont mis la 3G et ça correspond à ce moment-là et ça a commencé à devenir de plus en plus fort. Voilà. Ici, chez nous, c'était un lieu où on était bien, on ne sentait rien à ce moment-là. Jusqu'au mois de décembre 2010, où là, fin décembre, on s'est mis à percevoir et à avoir mal à la tête ici. Alors c'est exponentiel, toujours plus. On a l'impression que chaque fin de vacances, en fait, il y a une augmentation des puissances des antennes, quelque chose qui se passe. Et petit à petit, ça gagne du terrain, et de plus en plus, avec des maux de tête terribles. Donc là, on voit ce qu'on appelle une station de base de téléphonie mobile. Une station de base, ça comporte plusieurs antennes, plusieurs émetteurs. Pour un opérateur, il faut au moins 3 antennes, 3 émetteurs pour pouvoir rayonner. Je ne peux pas, en tant que médecin qui voit des malades, abandonner sur le quai de la gare des malades qui sont devenus électrosensibles sans que le corps médical les prenne en charge. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement essayer de voir ces malades en consultation pour essayer de mettre au point des tests objectifs de façon à porter un diagnostic et à partir du moment où le diagnostic est fait, pour essayer de mettre en place des traitements. J'ai au fond suivi la méthode hippocratique qui est d'abord d'observer, d'écouter les malades avant de statuer sur un état pour savoir si les champs électromagnétiques sont ou non responsables de l'intolérance que présentent ces malades. J'ai participé à ces premières expériences où des prises de sang sont faites avant une exposition aux champs électromagnétiques et des prises de sang sont faites après une exposition en ce qui me concerne de 20 minutes, une demi-heure, voire un peu plus, à des doses courantes. Hein. Ce n'était pas des doses fortes, il n'y avait pas de risque à prendre, à s'exposer pendant l'étude. Et là, il y a un constat flagrant, c'est que ce qui a été montré comme marqueur évident, c'était les HSP, qui sont des marqueurs biologiques qu'on retrouve après des agressions, et qui montrent un stress cellulaire, en fait, un stress cellulaire assez important. On retrouve ces marqueurs après exposition en grande quantité. Parmi ces marqueurs, il y a l'histamine qui est dans le sang et qui est un marqueur qui est positif dans 40% des cas. Nous avons des protéines de stress thermique qui sont positives chez un malade sur deux. Et nous avons d'autres marqueurs qui témoignent notamment d'une ouverture de la barrière hémato-encéphalique. La mélatonine, c'est l'hormone du décalage horaire. Dans un tiers des cas, nous avons un déficit majeur, profond, en mélatonine dans les urines. Dans un autre tiers des cas, nous avons une augmentation de la mélatonine. Et là, nous n'avons pas d'explication encore. Dans un tiers des cas, c'est normal. Lorsque vous êtes avec votre GSM, avec votre portable à l'oreille, il vous arrive souvent d'avoir l'échauffement de l'oreille. Eh bien, nous, on a cet échauffement, mais partout dans la tête, quoi. Problème de respiration, on n'arrive plus à respirer. Ça bouche le nez, ça empêche un fonctionnement normal de l'organisme. La concentration, l'attention, les yeux, ça joue vraiment sur beaucoup de choses. D'autres phénomènes aussi, c'est comme si vous aviez un coup de soleil, mais à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de votre tête. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un matériau pour se propager. Ils se propagent dans le vide. Longtemps, on a cru qu'il fallait l'éther pour que ça se propage, mais on n'en a pas besoin. En fait, dans le vide, ça se propage. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un support. Et ces ondes électromagnétiques, on les caractérise comment ? Et comme toutes les ondes d'ailleurs, les ondes de vagues ou les ondes sonores ont deux caractéristiques. D'une part, la longueur d'onde et d'autre part, leur fréquence. Les deux sont liés par ce qu'on appelle la vitesse. En fait, on est submergé d'ondes électromagnétiques. Il y a d'une part les ondes électromagnétiques naturelles parce qu'elles viennent par le soleil, par les étoiles, par tout ce qui nous entoure. Mais il y a aussi des ondes électromagnétiques artificielles que l'homme a créées et qui n'existaient pas auparavant. Le 50 Hz, il n'existait pas à ce niveau-là. Il y en avait peut-être un petit peu de 50 Hz qui arrivait des étoiles, mais très très peu. Dans notre habitat, on est entouré d'appareils qui rayonnent tous. Enfin, d'abord, tout simplement la prise électrique, l'arrivée électricité qui arrive dans l'appartement. Hein. Même s'il ne se passe rien, il y a toujours les ondes qui passent dans les fils. Ils sont là, hein. Quand même, il y a la tension borne, il y a quelque chose. Et ensuite, tous les appareils pris individuellement ont chacun du rayonnement. Alors, il existe des appareils qui rayonnent pas beaucoup. Par exemple, un fer à repasser, c'est une résistance qui chauffe, tout simplement. Donc, il y a juste la chaleur qui est créée. Il y a effectivement un courant électrique qui circule, donc qui crée des champs électromagnétiques qui circulent dans la pièce, forcément, quand vous faites fonctionner votre fer à repasser. Mais c'est pas d'une très grande puissance parce que les courants sont pas extrêmement importants. Même dans une maison, vous avez donc des fils électriques.
qui émettent du courant alternatif de 50 Hz. Et ça crée un petit champ, c'est-à-dire des ondes à distance électromagnétiques. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes exposé, évidemment, c'est des faibles, très faibles intensités, mais vous êtes exposé tous les jours. Vous dormez, votre lit est derrière, devant une conduite électrique. Donc nous sommes exposés toute la vie. Qu'est-ce qui se passe? L'endroit où ça commence à être différent, c'est quand on s'attaque à des appareils qui utilisent des ondes de plus haute fréquence. Par exemple, les récepteurs de radio, les récepteurs de télévision, qui travaillent avec des fréquences beaucoup plus élevées. On est dans les mégahertz, des centaines de mégahertz. Quand on travaille avec les téléphones portables, alors là, on monte dans les gigahertz, beaucoup plus haut encore, où l'interaction avec la matière vivante est encore plus forte. Et le Wi-Fi, toutes les ondes qu'on crée artificiellement autour de tout ce qui est informatique et électronique, qui envoient ces ondes dans un sens, dans l'autre, et qui sont localisées, qui sont dans des petites dimensions, parce que le Wi-Fi va pas très loin, mais il est localisé au niveau d'une maison. Toutes ces ondes-là sont en permanence dedans, et se mélangent, se rajoutent. Les premières études modernes s'intéressant à l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé datent des années 60 aux États-Unis. Depuis, les études se sont accumulées. Dans le milieu militaire, tout d'abord, grand consommateur de radars. La question touche ensuite la société civile. Avec les années 1990 et l'essor de la téléphonie mobile, le sujet devient l'objet de controverses sans fin. Chaque découverte d'effets nocifs étant systématiquement contredite par d'autres, certifiant l'innocuité des ondes. Qui dit industrie puissante dit moyens financiers puissants, bien évidemment, et dit des moyens pour financer des labos. Dès lors que vous avez une étude qui va conclure à la dangerosité, vous allez avoir une réplique qui va être faite par des labos plus ou moins financés par des industriels de la téléphonie mobile, qui va dire le contraire. Et en fait, nous sommes dans une situation aujourd'hui où toute étude montrant une dangerosité est quasi systématiquement contredite par une étude qui est menée quelques temps après par une équipe financée par des opérateurs ou d'autres industriels de la téléphonie mobile. On assiste à une manipulation en disant « mais non, ça n'est pas certain, attendons des résultats ». Attendons quoi? Attendons les malades et les morts? Donc je crois que le principe de précaution dans ce cas précis, puisque nous ne connaissons pas encore tous les tenants et aboutissants, bien sûr, des effets négatifs des rayonnements électromagnétiques, mais appliquons le principe de précaution, ça ne remettra pas en danger ni l'industrie, qui est tout à fait capable de s'adapter et qui s'est adaptée dans d'autres pays. Les champs électromagnétiques ont des propriétés CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, sans qu'ils soient encore, si vous voulez, officiellement actés, que ces champs électromagnétiques soient CMR. Ce qui est acté aujourd'hui au niveau scientifique par l'ensemble de la communauté médico-scientifique internationale, c'est que les champs électromagnétiques, quelle que soit leur fréquence, sont possiblement cancérigènes. Ça n'est pas certain, mais il y a plus qu'un doute. Ce qui a suscité mon intérêt, ça a été une question plus générale de environnement et cancer. Parce que, au cours de ma carrière, j'ai vu doubler le nombre de cas de cancer dans le monde, et que même après prise en compte, évidemment, de l'augmentation de taille des populations, du vieillissement dans les pays européens ou nord-américains, il n'en reste pas moins que le cancer a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies. Et que cette augmentation ne peut pas être expliquée par la génétique, c'est beaucoup trop rapide, n'est pas expliqué par le mode de vie uniquement, le tabac, l'alimentation. Bien sûr, ça joue un rôle, mais chez nous, finalement, les choses s'améliorent plutôt. Par exemple, le tabagisme a diminué chez l'homme. Donc, il fallait bien trouver une autre raison à cette augmentation des cancers. Et ces raisons-là, vraisemblablement, c'est la présence de cancérogènes dans notre environnement, dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation, dans les objets de la vie usuelle. Et donc ces cancérogènes, ils appartiennent à trois groupes. Les cancérogènes chimiques, c'est tous les pesticides, le benzène, le formaldéhyde, enfin tous les composés chimiques. Les agents physiques, et là, il y a les radiations. D'une part, les radiations ionisantes, donc les rayons X, quand vous passez une radiographie médicale, le fait de vivre à côté des centrales nucléaires, toutes les sources de radiations ionisantes. Et puis après, il y a les champs électromagnétiques.
Et donc, on a commencé à regarder ça d'un peu près, parce que aujourd'hui, il y a à peu près 70% de la population mondiale qui utilise un téléphone portable. Donc, s'il y a des risques associés à ce téléphone portable, évidemment, les conséquences pourront être extrêmement lourdes, puisqu'elles vont toucher pratiquement toute la population. Et donc là, on a commencé à regarder ce qui était disponible comme étude épidémiologique. Et finalement, aujourd'hui, on sait que les personnes qui ont utilisé pendant plus de 10 ans un téléphone portable vont avoir un risque double de tumeur du cerveau. Interphone, l'étude entamée en 1999 sous l'égide de l'OMS, est considérée comme l'étude de référence sur le téléphone portable et le cerveau. Elle a regroupé plus de 6000 cas de tumeurs cérébrales, du nerf auditif et des glandes salivaires. Malgré ses conclusions mitigées, Interphone a abouti en mai 2011 à une réévaluation du risque cancérigène associé aux ondes du téléphone mobile. Un risque que les membres du Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, jugent désormais possible. Le risque de cancer du cerveau associé au téléphone portable n'est donc pas une rumeur. Ce risque a été observé dans plus d'une quinzaine d'études, chez les plus gros et les plus anciens utilisateurs de mobile, au-delà des 10 ans d'utilisation. Et plus on débute jeune, plus ce risque est important, jusqu'à 4 ou 5 fois plus que la normale. Il y a une étude, pour l'instant, de Hardell, qui montre qu'une utilisation avant l'âge de 18 ans est associé à un risque qui, au lieu d'être de 2, est de l'ordre de 4, voire 5. L'étude Céphalo, c'est une étude sur les cancers de l'enfant, les tumeurs du cerveau chez l'enfant. Et elle a été présentée dans la grande presse comme une étude négative en disant qu'il n'y a pas de risque chez l'enfant. Et c'est faux, parce que la plupart des risques relatifs, donc des mesures d'association qui sont présentes dans cette étude, sont toutes supérieures à 1. Donc en fait, ce n'est pas statistiquement significatif, parce que fort heureusement, il n'y avait que 352 cas de tumeurs du cerveau. Mais si au lieu d'avoir 4 pays, on en avait eu 5 ou 6, on aurait eu des résultats statistiquement significatifs. Et les enfants les plus exposés, de toute façon, eux avaient un risque à 2,15. Donc pour moi, c'est une étude qui est positive. Les micro-ondes de la téléphonie mobile sont bel et bien capables d'endommager l'ADN de nos cellules et de provoquer des aberrations des chromosomes, favorisant le développement de cancers. Ce qu'on sait maintenant, et ceci vient notamment des études des gens qui sont hypersensibles à ces radiations électromagnétiques, qu'il y a un stress oxydatif qui se produit. Dans le sang, chez ces malades-là qui sont devenus intolérants au champ électromagnétique, apparaissent des... et certaines protéines qui traduisent la souffrance, une souffrance cérébrale, et donc que ce sont de vrais malades. Alors, stress oxydant, c'est la libération de radicaux libres en excès, de molécules qui sont réactives, qui sont dérivées de l'oxygène, et très réactives, qui se combinent avec l'ADN, les lipides, les protéines de nos cellules, et font bien sûr des dégâts. Et ces dégâts existent effectivement chez les personnes qui sont exposées à ces radiations électromagnétiques. Donc c'est un effet qu'on ne sent pas, mais qui existe et qui peut à la longue entraîner des dommages dans le cerveau et aussi induire des cancers. Sur la question du risque de cancer ou de leucémie infantile causé par l'exposition aux ondes très basse fréquence du réseau électrique, le dossier est encore plus étoffé. La première alerte date de 1979, lorsque deux chercheurs américains, Nancy Wertheimer et Ed Lipper, constatent que les enfants résidant à proximité de transformateurs et de lignes électriques courent deux fois plus de risques de mourir d'une leucémie. 15 ans plus tard, en 1994, parmi les 14 études réalisées sur ce sujet, 8 d'entre elles relèvent une augmentation significative du risque de leucémie ou de tumeur cérébrale chez l'enfant exposé aux champs électriques et magnétiques des lignes à haute tension proches de son domicile. La tendance est identique dans le monde du travail. Parmi les 79 publications disponibles en 1994, 59, c'est-à-dire 62% d'entre elles, constatent une augmentation du risque de cancer parmi les employés des compagnies électriques.
Depuis 2002, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a classé les champs électromagnétiques de très basse fréquence comme cancérigènes possibles. Il y a des études chez les animaux, notamment une étude italienne chez des rats, qui montre que si ce sont des milliers de rats, n'est-ce pas, s'ils sont exposés à une radiation électromagnétique continue depuis même leur conception, donc chez la mère, de la rate, plus une petite irradiation ionisante, eh bien, ils font deux fois plus de cancer. Donc, c'est un phénomène tout à fait objectif. Mais alors, il peut y avoir aussi des effets, peut-être plutôt biochimiques. Cette étude citée par le professeur Montagnier, 7000 rats, suivis durant 3 ans, est effectivement très intéressante. Elle se trouve dans un rapport de 600 pages, publié en 2010 par l'Institut Ramazzini, un centre de recherche en médecine environnementale réputé pour la qualité de ses travaux. Notamment lorsqu'il s'agit d'étudier les substances à long terme suspectées d'avoir un effet cancérigène. L'étude de l'Institut Ramazzini rappelle une autre recherche, menée à l'Université de Louvain en Belgique et rendue publique en 2009. Là, durant 2 heures par jour et pendant presque 2 ans, le chercheur Dirk Adang a exposé, dans le cadre de sa thèse, une trentaine de rats au micro-ondes de la téléphonie mobile à des puissances comparables à celles subies par les riverains d'antennes relais. Après 3 mois d'exposition, on a observé une augmentation des globules blancs dans le sang des rats. 18 mois plus tard, c'était l'inverse. Le taux des lymphocytes avait chuté, 15% inférieur à la normale. Au bout de 21 mois, le taux de mortalité, lui, a commencé à grimper, jusqu'à devenir, au terme de l'expérience, presque 2 fois plus élevé au sein des rats exposés. Intéressant, non ? Ou inquiétant pour les personnes vivant en permanence sous les rayonnements des antennes relais. À côté de Perpignan, et on vient ici parce qu'on a un château d'eau qui est hérissé de 25 antennes relais. Alors ce château d'eau, ben, il est en plein milieu du village, entouré par beaucoup d'habitations, et en même temps il y a une école qui est située à 195 mètres où entre autres il y a 3 enfants gravement malades. Donc on ne peut pas assurer à 100% que ça vient de là, mais étant donné que déjà pour une école de 220 élèves, 3 cas de cancer, c'est déjà quand même assez spécial, on demande l'application du principe de précaution. Voilà ce que nous avons au-dessus de nos têtes depuis 5 ans. Alors ces antennes, nous avons appris qu'elles étaient à l'origine sur le château d'eau au milieu du village. Et elles ont été déplacées. Nous avons vu monter au-dessus de nos maisons sans savoir pourquoi ni comment. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même pas de risque, mais c'est nier l'évidence, c'est un mensonge infâme d'État qui est mis en place pour vous dire circuler, il n'y a pas de problème. Le tabac et l'amiante, c'est à peu près similaire. Depuis longtemps, on se doutait qu'il y avait une toxicité. Puis, les lobbies, dans leur technique habituelle, ont entendu le doute, à savoir 1, 2, 3 études qui ne confirmaient pas les autres études. Et ils ont mis les moyens pour permettre que ces produits ne soient pas révélés cancérigènes au bout de dizaines d'années. L'amiante, figurez-vous que c'est au début du XXe siècle qu'on s'est aperçu que c'était déjà toxique. Et puis en France, on a ce défaut, comparé à d'autres pays, notamment les Américains, d'interdire beaucoup plus tard. Les craintes souvent sont malheureusement fondées et on s'aperçoit que même on n'a pas assez légiféré, encore une fois comme l'amiante. On s'est aperçu dans un premier temps que c'était dangereux, on a fermé les yeux, on n'a rien dit. 70 ans après, on se dit effectivement c'est quand même très dangereux, donc on va légiférer, on va limiter l'exposition à l'amiante pour se dire in fine en 96, non en fait c'est pas jouable, la technologie, l'amiante en elle-même est un produit nocif dont on ne peut plus se servir
malgré les bienfaits, malgré ce que ça a apporté. Et donc, peut-être qu'effectivement, dans quelques temps, on se dira, bah non, la téléphonie mobile, en tout cas ces ondes pulsées, là, c'est pas viable, on peut pas s'en servir. Je rajouterai le scandale sanitaire des microparticules, du haut diesel, qui était au départ cancérigène possible, puis cancérigène probable, et maintenant cancérigène certain, avec 42 000 morts prématurées par an et des centaines de milliers de gens qui ont des problèmes de cancer, des problèmes respiratoires et des problèmes cardiaques. Et ça fait longtemps qu'on alertait sur ce problème de pollution atmosphérique. Et là, sur les ondes, on retrouve le même processus. L'AFSET, dont on disait qu'elle était irréprochable en 2003 et en 2005, lorsqu'elle donnait des conclusions disant qu'il n'y avait absolument aucun problème, et quand on sait que la plupart des scientifiques qui participaient étaient liés directement ou indirectement au monde de la téléphonie mobile, eh bien là, les conclusions étaient reprises par les députés, reprises par tous les opposants à l'idée d'un risque. Et aujourd'hui, maintenant qu'en 2009, après un changement de directeur, l'AFSET vient vous dire non, on n'est pas tellement sûr, et puis les nouvelles études en plus viennent pas dire ça. Eh bien, l'AFSET aujourd'hui est décrié. On dit mais non, l'AFSET ça n'a aucun intérêt, ils disent des bêtises. Comme l'OMS, c'est pareil. L'OMS, avant tout le monde vous disait mais non, l'OMS dit qu'il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, l'OMS qui vient dire attention, s'agissant des téléphones portables, il y a peut-être un problème. Vous dire mais non, mais l'OMS, les industriels vous disent non, l'OMS dit des bêtises. L'OMS, c'est pas sérieux l'OMS. Mais aujourd'hui, je constate, moi, qu'il n'y a que les intérêts des grands groupes qui sont pris en compte. Point. L'intérêt sur les problèmes de santé, on s'en moque, c'est pas grave, ce sont des gens sacrifiés. Les normes actuelles des rayonnements électromagnétiques, notamment les antennes relais, sont des normes thermiques. C'est-à-dire qu'on a pris un mannequin, on l'a exposé à un rayonnement, et au bout de 6 minutes, sa température augmentait d'un degré. En fait, c'est notre cerveau, hein, ça représentait notre cerveau. Eh bien, la norme a été établie. Donc, cette norme ne tient en aucun cas des effets cellulaires, dont de nombreuses études ont montré qu'ils existaient, qui ont été relevées par le fameux rapport européen Bioinitiative et le rapport des agences françaises. Donc bien sûr, on ne sait pas encore tout le pourquoi du comment, mais les normes actuelles sont complètement obsolètes. Donc on est à la fois sur des normes beaucoup plus faibles en France que dans les pays étrangers qui ont déjà pris conscience qu'il y avait un risque de ces rayonnements électromagnétiques, et en plus basées uniquement sur un effet thermique, qui ne correspond pas à la réelle toxicité. La nature humaine est telle qu'on cherche toujours le moins difficile, le plus facile. Et donc, si les gens ne protestent pas, ou si les gens ne voient pas d'effet, les compagnies qui fabriquent ces émetteurs ne vont pas changer. En matière d'antenne relais, une petite quinzaine d'études sont disponibles. Près des trois quarts des études publiées concluent à un impact sur la santé des riverains. Sous la forme, par exemple, d'un risque accru de cancer ou de troubles du sommeil chez les personnes qui résident à moins de 500 mètres d'une antenne relais. Une enquête de voisinage menée en novembre 2011 à Aix-en-Provence par l'association Santé Environnement France, l'ASEF, qui réunit plus de 2500 médecins, aboutit à des conclusions similaires. Dans ce quartier HLM couvert d'antennes relais, 55% des sondés déclarent souffrir d'acouphènes, contre 32% en France. 27% signale également des difficultés pour se concentrer, contre seulement 4% des Français. Donc nous avons réalisé avec mon association Santé Environnement en France une enquête de voisinage, au voisinage des antennes relais, en interrogeant les riverains avec un questionnaire qui leur demandait ce qu'ils ressentaient comme symptômes. Et on a vu qu'en pourcentage de symptômes ressentis, on retrouvait ce qui a été trouvé dans d'autres études internationales, notamment plus d'acouphènes. Chez des gens qui, une fois qu'ils étaient hors ce contexte de voisinage-là, n'avaient plus d'acouphènes, aussi des maux de tête, des troubles de concentration. Enfin, les symptômes de l'électrosensibilité que l'on retrouve dans des études précédentes. Voilà, ça a confirmé. On met sur le marché, on se moque des garde-fous, on se moque des limites, on se moque de tout ça, on va voir ce que ça donne, et in fine, on verra, s'il y a des problèmes, on changera peut-être de technologie, s'il y a des problèmes, on avisera, mais ce que je comprends pas, c'est que ce faisant, l'État fait le jeu des industriels exclusivement, c'est-à-dire que mettre en place la téléphonie mobile avec des garde-fous, c'était limiter l'exposition des gens, pour limiter l'exposition des gens, il faut rajouter des antennes.
C'est-à-dire qu'il faut que les téléphones émettent comme les antennes relais avec moins de puissance. Il faut des micro-antennes, il faut des relais beaucoup plus petits pour qu'ils puissent communiquer sans émettre énormément. Mais, et ça, je veux dire, l'État, à la limite, l'État, il s'en moque de tout ça. Parce que lui, il édicte des normes pour protéger la vie des gens. À côté de ça, ceux à qui ça porte préjudice, ce sont les opérateurs qui vont vous dire, bah oui, mais nous, on gagne moins d'argent, forcément, on a plus de technologies, on a plus d'appareils à mettre en marche. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, à ce moment-là, l'État vienne vous dire, bah écoutez, c'est vrai, ces pauvres gens, ils développent un business florissant, ils gagnent beaucoup d'argent, on va quand même pas limiter leurs bénéfices, vous comprenez, c'est pas normal. Enfin, c'est ça le discours, c'est peut-être caricaturé, mais c'est ça le discours de l'État. La littérature scientifique a relevé quantité d'effets des ondes sur le vivant. Sensation de chaleur, d'irritation sur la peau. Modification de l'activité cérébrale, modification des sécrétions hormonales, anomalie du rythme cardiaque, maux de tête, troubles de l'attention, cancer, maladies dégénératives, toute une gamme d'effets biologiques a été mise en évidence. Malgré ces études, malgré l'appel des médecins, malgré la mobilisation de nombreux politiques, officiellement, RAS, rien à signaler, tout va bien. Ce déni, les électro-hypersensibles, les malades des ondes, en sont les premières victimes visibles. Alors, notre ami Bellepomme a été fait une étude des personnes qui sont ultra-sensibles aux radiations électromagnétiques, téléphones, ordinateurs, etc. Et cette étude montre à la fois donc des changements au niveau de l'imagerie du cerveau, donc peut-être justement des effets de changement de perméabilité du cerveau aux substances qui sont dans le sang, ce qui avait déjà été fait donc par une étude suédoise sur des animaux. Et d'autre part, à la mesure d'un stress oxydant très important. Le plus inquiétant pour moi, c'était le problème d'oxygénation du cerveau, qui mettait en évidence que mon cerveau était en souffrance, quoi. Hein, que les ondes mettaient mon cerveau en souffrance, voilà. Si vous voulez, quand on analyse ces malades par les tests d'imagerie classiques, c'est-à-dire une IRM, un scanner, c'est toujours normal. Et d'ailleurs, la normalité de l'IRM et du scanner est pour moi un signe diagnostique. Ils sont malades avec des troubles cognitifs, donc des troubles qui évoquent, si vous voulez, une anomalie au niveau du cerveau, et l'imagerie classique est normale. Donc il a fallu passer à une imagerie plus sophistiquée et qui est beaucoup moins courante, qui est l'échodoppler cérébral pulsé. L'encéphaloscanner est un examen de Doppler pulsé intracérébral centimétrique qui permet d'étudier la vascularisation du cerveau. Le cerveau a, comme tous les autres organes, un pouls. On a un pouls cérébral, de même qu'on a un pouls au niveau des artères du poignet ou des artères pédieuses. Le cerveau également pulse. Et donc nous étudions centimètre par centimètre la pulsatilité du cerveau. Cet examen, c'est l'encéphaloscanner. On a démontré que les patients souffrant d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques présentent une hyperviscosité du sang. Cette hyperviscosité du sang va évidemment entraîner un trouble de la perfusion du parenchyme cérébral. Et donc, par conséquence, une diminution de l'oxygénation du cerveau. Et donc, cet examen est parfaitement adapté, puisque c'est un examen qui permet d'étudier l'oxygénation du cerveau. Et si, effectivement, l'encéphaloscanner démontre qu'il existe une diminution de l'oxygénation du cerveau, plus particulièrement, du reste, dans les zones profondes, on pourra dire que ce patient est susceptible d'être hypersensible aux champs électromagnétiques, ce qui sera à préciser, bien évidemment, par les analyses biologiques. Donc voilà, ça c'était les résultats de l'encéphaloscan que j'ai fait au mois de novembre 2010 pour le professeur Bellepomme. C'est représenté sur un tableau où
et à noter dessus l'oxygénation moyenne d'un cerveau adulte, bon, correspondant à mon âge, hein, j'imagine à peu près. Voilà, donc la partie assurée et la partie qui doit être oxygénée, la partie moyenne. Donc il y a des endroits où effectivement c'est bien oxygéné, puis d'un seul coup on se retrouve dans des endroits du cerveau où il y a un gouffre d'un seul coup, un manque d'oxygénation. Voilà. Et on s'aperçoit chez ce monsieur que la vascularisation du cerveau est correcte et que donc ce patient ne souffre pas d'hypersensibilité au champ électromagnétique, ne souffre pas d'athérosclérose et a une oxygénation cérébrale tout à fait d'un jeune homme. Normalement, les flux vasculaires qui sont enregistrés par ces échodoppler cérébral pulsé sont tout à fait normaux. Chez ces malades-là, au contraire, il y a un déficit de flux vasculaire qui se fait soit dans l'hémisphère droit, soit dans l'hémisphère gauche, soit dans les deux hémisphères. Ce sont les cas les plus difficiles, bien sûr. Bon, sur ce, j'ai pris rendez-vous pour Violette, ma fille, qui n'était pas montée en même temps que moi et qui était en grande souffrance à ce moment-là. C'était catastrophique pour Violette. C'était à peine mieux pour moi, mais voilà, toujours pareil, le problème d'oxygénation du cerveau était quand même très inquiétant. Une déficience en vitamine D, entre autres, forte, et une très forte désoxygénation du cerveau. Là, c'était des gouffres. C'était des gouffres. Le professeur Belpomme trouvait vraiment très, très embêtant cette asphyxie. Hein. On peut l'appeler comme ça. Hein. En réalité, ce sont des ondes courtes qui peuvent pénétrer à l'intérieur des tissus du corps. Et ces ondes courtes sont effectivement l'équivalent, entre guillemets, de corps étrangers. Et vous avez certaines personnes qui sont allergiques à ces vibrations, à ces corps étrangers, parce que il faut bien comprendre que ces ondes courtes provoquent des vibrations au niveau des tissus et donc peuvent provoquer des problèmes inflammatoires. Et vous avez certaines personnes qui sont plus sensibles à ces vibrations que d'autres. De la même manière qu'une antenne va récupérer le signal de la radio, dans le corps humain, les cellules, les molécules qui sont dedans vont vibrer à une fréquence de résonance qui correspond à leur fréquence propre. Donc quand l'onde arrive avec la même fréquence, elle capte cette onde et l'amplifie, parce qu'une résonance amplifie le phénomène. Quand il n'y a pas résonance, il ne se passe rien. Dès que vous arrivez à la résonance, l'objet se met à vibrer de plus en plus. Un peu les gens qui cassent les verres en cristal en le faisant résonner à une certaine fréquence, d'un seul coup, l'énergie accumulée est tellement forte que ça explose, ça accumule l'énergie. Et dans notre corps, on a les mêmes phénomènes qui se passent. Les ondes électromagnétiques peuvent faire résonner certaines liaisons chimiques de la même manière que dans les antennes ou dans le cristal ou dans une cloche qui résonne, etc. Ces effets vibratoires ou biochimiques sur les protéines du vivant, à travers par exemple la production de radicaux libres, a été observé avec des rayonnements GSM ou UMTS, à des niveaux d'exposition de la vie courante. Aucune de nos cellules n'est épargnée, pas même les plus intimes. Leur interaction dépend effectivement de la qualité de la personne, de la sensibilité qu'elle a à cette fréquence-là, et qui va dépendre des personnes. On peut avoir des personnes qui vont être électrosensibles à certaines fréquences et d'autres non. Exactement pareil, qu'il y en a qui sont sensibles au gluten et d'autres qui ne sont pas sensibles au gluten. D'autres qui sont sensibles au lait de vache, d'autres qui ne sont pas sensibles au lait de vache. Notre découverte aujourd'hui, c'est de dire que chez ces malades-là, nous avons probablement affaire à un syndrome limbique qui explique les symptômes que présentent ces malades-là lorsqu'ils sont mis en présence d'un champ électromagnétique. Personnellement, ce que je remarque, c'est qu'il y a deux types globalement d'électrosensibles. Il y a les électrosensibles purs et durs, si on peut dire, qui sont électrosensibles à l'environnement électromagnétique conventionnel, c'est-à-dire aux ondes Wi-Fi, c'est-à-dire à la téléphonie portable, aux ondes radar, etc., hein, au WiMAX, aux antennes relais, etc. Et tout ça, je le vois de mes yeux régulièrement. Mais il y a une autre forme d'électrosensibilité, qui est une électrosensibilité que j'appelle par matière interposée. Voilà. Cette forme d'électrosensibilité, elle est véritablement méconnue.
Vous avez des personnes qui sont électrosensibles et dès que vous leur enlevez les matières qu'ils ont en bouche et qui sont responsables, ils ne sont plus électrosensibles. Voilà. C'est un peu mon travail quotidien que je fais tous les jours. Par ailleurs, s'adresser au corps médical et en particulier aux dentistes pour leur dire ne mettez plus d'alliage dentaire métallique car vous générez ce syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, puisque les alliages métalliques que vous mettez dans la bouche de vos patients font antenne lorsqu'ils sont soumis à des champs électromagnétiques. Toute matière émet un rayonnement électromagnétique. C'est un principe de physique. Il y a forcément toujours, quelle que soit la température, une émission d'ondes électromagnétiques très faible et qui existe et qui dépend du matériau donné. Suivant un métal, vous aurez quelque chose, suivant un autre métal, vous aurez une autre chose. Tout élément qui existe sur la Terre à une vibration qui se produit et qui produit des ondes électromagnétiques. Les champs électromagnétiques environnementaux vont amplifier l'effet des matières. Voilà. Comment je l'ai remarqué, ça ? Vous savez, moi, je suis un grand admirateur de Claude Bernard. C'est-à-dire, je pense souvent à la méthode expérimentale. Quand je fais certains tests, des tests d'amplitude des mouvements articulaires, dans mon cabinet, ces tests donc nous montrent comment, au niveau du lever des bras, etc., et tout, comment il se passe certaines choses, c'est-à-dire comment il se passe des blocages. J'ai remarqué, mais c'est reproductible, j'ai remarqué mille fois, que quand j'éteins le compteur de mon cabinet, eh bien, ces tests sont améliorés. A contrario, si je prends un patient et que je le mette devant un ordinateur, alors on va voir une amplification des blocages, une potentialisation des blocages. Ça fait combien de temps que vous souffrez ? Je souffre depuis mai 1996. Ça fait 15 ans, ça ? Ça fait un peu plus de 15 ans. 15 ans, c'est oui. Énorme. C'est énorme. Alors, qu'est-ce que vous ressentez comme douleur ? En fait, là, actuellement, je ressens des douleurs partout, dans tout le corps, articulaires, musculaires, digestives. J'ai fait de l'errance médicale pendant des années. Ensuite, on m'a parlé de fibromyalgie. À ce moment-là, je suis allée au centre antidouleur de Rangueil. J'ai fait des années de séances de kinésithérapie, en boxe ou en bassin, enfin, pour essayer de me maintenir un petit peu dans un état physique de façon à continuer à marcher, parce que je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à me mouvoir. J'ai même passé un certain temps en fauteuil roulant parce que je n'arrivais plus à me tenir debout. Les caractéristiques du champ qui est émis par la matière dépend de la nature de la matière. C'est-à-dire que un métal, par exemple, je prends dans le monde dentaire un chrome cobalt, ne va pas émettre la même fréquence qu'un nickel chrome. Voilà. Et parfois même, c'est l'effet cocktail qui compte. Très souvent, dans une bouche, il y a une sorte de mosaïque de reconstitution dentaire due au dentiste. Il y a des amalgames, des couronnes, des composites, des implants, des dents zircones, etc. Et donc, il faut essayer d'y voir clair dans ces différents éléments pour savoir quel est l'élément qui est responsable des tensions que l'on va essayer de soulager. Pour ce qui est de l'induction, une fois sur deux, c'est le portable, un abus du portable ou du DECT. C'est toute la population qui est concernée, avec une prédilection pour les femmes. Nous avons dans notre série trois femmes pour un homme qui sont susceptibles au champ électromagnétique. Les métiers dans notre série représentent à peu près 15 à 20%, pas plus. Et ce sont de véritables maladies professionnelles qu'il va falloir faire reconnaître. Ce sont essentiellement les informaticiens qui travaillent dans des réseaux Wi-Fi, Bluetooth, dans des véritables électrosmogs en permanence. Ça va être également les électriciens qui réparent des téléviseurs ou qui réparent, si vous voulez, des écrans, des ordinateurs, etc., qui sont dans un champ électromagnétique important. Ce sont un certain nombre, si vous voulez, de standardistes. En 1996, j'ai intégré au sein de mon bureau un service de télémarketing qui, quand il s'est monté, n'était pas informatisé.
Au bout d'un certain temps, on nous a mis 17 ordinateurs dans une surface de 100 mètres carrés. Il y avait en plus les téléphones, les fax, photocopieurs, enfin bref, tout l'arsenal électrique. 17 ordinateurs dans 100 mètres carrés, c'était de la folie furieuse. Dès que j'ai commencé à travailler dessus, ça a été l'horreur totale. J'ai commencé tout de suite à avoir les douleurs dans les articulations, la nuque, les coudes, le cou. En dehors de cette sensation d'engourdissement, bon. Et puis, de jour en jour, ça n'a fait que croître et embellir, si j'ose dire. Alors, tout a été mis en œuvre, médicalement parlant, pour prouver que j'étais électrosensible. L'examen qui a permis de prouver ma sensibilité, c'est l'électroencéphalogramme, qui prouve la sensibilité à la lumière. Et j'ai eu gain de cause, et on m'a laissé avec ma console de visualisation. J'ai eu la chance d'avoir des supérieurs qui savaient et qui ont été très gentils avec moi et qui m'ont permis de ne pas retourner dans cette antre. Les assurances, elles, leur position, elle est claire. À partir du moment où ils indemnisent un risque, ils veulent pouvoir le mesurer, ce risque. Et dans la mesure où aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait demain, et peut-être que nous aurons des légions d'électro-hypersensibles, peut-être que nous aurons des légions d'enfants malades, eh bien, ça fait qu'aujourd'hui, les assurances refusent d'assurer. À partir du moment où on enlève la cause, systématiquement, l'ensemble des tensions de la personne va disparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces incompatibilités agissent en augmentant ce qu'on appelle la spasticité musculaire. La spasticité musculaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est la résistance à l'étirement du muscle. Voilà. Autrement dit, c'est des hypertonies. Hein, c'est des personnes qui ont des contractures musculaires, surtout sur le système tonique réflexe. Et ces contractures sont responsables d'une sorte de camisole, hein, une sorte de cuirasse de tension que les gens ont sur le dos. C'était des bras levés. Il se présente comme ça. Si je vous fais lever les bras, monter, voilà. Ici, vous êtes bloqué, complètement bloqué. Vous ne pouvez pas monter les bras plus haut. On va faire une tête des bras devant, c'est une tête aussi qui est intéressante. Elle est intéressante parce que, au niveau de cette tête, je ne suis pas au contact. Vous voyez, je ne suis pas au contact, je peux me tenir légèrement à distance. Donc, les bras sont tenus raides. Et vous les montez doucement. Voilà, les bras sont montés doucement. Et on va voir où c'est que vous arrivez. Voilà. Vous voyez, franchement, vous n'arrivez pas bien loin. Je sais que quand je vais vous déparasiter, même partiellement, quand je vais vous avoir enlevé quelques matières que vous avez dans la bouche, je crois qu'il y a une couronne, puis un composite, et je sais que immédiatement, vous allez être débloqué. Ne bougez pas, hein, ne bougez pas. Voilà donc une des couronnes responsables, j'enlève le masque. Voilà, vous voyez, cette couronne était responsable de tension et de blocage. On va commencer par la tête des bras. Voilà, bras raides, vous les montez, 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 montez. Vous voyez la différence ? Oui. Voilà. Donc, bras tendus, vous refaites monter les bras. Allez-y, montez, 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 montez. Et vous voyez ce qui se passe. Oui. Voilà. Oui. Donc, vous voyez que le simple fait d'avoir enlevé une couronne, je vous la remontre, cette petite couronne, oui, dont l'effet électromagnétique était responsable de tension tonique musculaire qui était géante. Voilà. Il n'y a pas que là que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des matières, effectivement, que l'on peut porter sur soi et qui peuvent avoir un effet délétère sur la santé. C'est le cas souvent, par exemple, des vêtements. C'est le cas même parfois des teintures de certains vêtements. C'est aussi le cas des bijoux. C'est le cas des montures de lunettes. Mais c'est aussi le cas souvent des verres, des lunettes. Voilà. Ce sont des choses qui sont assez surprenantes. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ces incompatibilités sont dans la bouche, elles sont permanentes, chroniques, jour et nuit.
depuis des années. Alors qu'une paire de lunettes, vous la mettez, vous l'enlevez, et donc l'effet est quand même différent. Depuis 2008, j'ai eu l'occasion de travailler avec des professeurs agrégés de sport, et on s'est occupé ensemble de sportifs de haut niveau. Je pense par exemple à Gaël Touya, médaille d'or d'escrime. Au cours de ces tests-là, bon, sans rentrer dans les détails, je me suis aperçu qu'effectivement, je pouvais présenter une incompatibilité à l'or et à l'argent. Et étant sportif de haut niveau, donc ayant une connaissance de mon corps quand même assez poussée, j'arrivais à sentir des différences entre les tests qui me faisaient passer quand je portais ma chaîne en or, par exemple, et quand je l'enlevais. Tant que je portais, voilà, j'étais en contact avec ma chaîne en or, tant que je la portais, je l'avais sur moi dans la poche ou autour du cou, je perdais en amplitude, j'avais moins de force. Donc amplitude et force sont quand même des éléments importants alors dans la vie de tous les jours, certes, mais dans la performance sportive également. Il y a des matières comme le mercure qui, de toute façon, sont un poison. Le mercure, c'est un poison. Bon, on ne va pas réexpliquer ces choses-là. C'est un poison, donc il faut le connaître comme tel. Pour moi, une matière est une matière. Je n'ai pas d'a priori. Voilà, je teste tout. C'est-à-dire qu'à mon sens, il n'y a pas de matière que l'on puisse considérer comme biocompatible. Pour moi, ça n'existe pas. Ce qui fait la biocompatibilité, c'est la conformité électromagnétique entre un système oscillatoire et l'effet électromagnétique d'une matière. Donc, vous avez des amalgames qui sont parfaitement supportés, donc des amalgames au mercure qui sont parfaitement supportés par certaines personnes. Vous avez des métaux, des couronnes métalliques qui sont parfaitement supportées selon le métal. Vous avez des composites qui sont parfois bien supportés. Vous avez des dents en zircone qui sont parfois surcortées, mais vous avez aussi tout le contraire. J'avais un souci d'une douleur à l'épaule récurrente depuis 3 ans, qui m'empêchait de dormir, qui m'empêchait de faire mon travail. Et donc, suite à une intervention de Gérard Diazède sur une couronne que j'avais, 6 heures après, la douleur récurrente depuis un an et demi, à peu près 24 heures sur 24, a disparu. Ce depuis maintenant 4 ans. Donc il avait diagnostiqué une électrosensibilité aux matériaux qui composaient ma couronne. Et après divers tests et un changement de couronne, il a résolu définitivement mon problème. J'avoue que j'étais très sceptique au départ. J'avais rencontré tellement de thérapeutes depuis 1996 que je souffre. Et je me suis prêtée au jeu quand il m'a parlé de me déparasiter. D'abord, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Il m'a gentiment expliqué en quoi ça consistait. Et nous avons commencé le déparasitage, donc, il y a 2 mois. Et c'est vrai que depuis, ma vie a changé. Je suis redevenue comme avant 1996, où j'ai commencé à avoir ces terribles douleurs. Depuis ce déparasitage, ça ne s'est pas fait en une fois, ça s'est fait en plusieurs séances. Mais à chaque fois, il y avait un petit plus, un petit mieux. Alors, j'ai eu du mal à y croire. Je me disais, c'est pas possible, ça doit être dans ma tête. Mais non, c'était vraiment pas dans ma tête. Je n'ai quasiment plus de douleur. J'ai retrouvé une amplitude articulaire. Je n'arrivais plus à me déshabiller, je n'arrivais plus à me faire mon shampoing, me sécher les cheveux. Et ça, je le fais. Je suis capable de monter les escaliers, presque en courant. Je n'ai plus l'impression de réagir au téléphone portable quand je l'approche de mon oreille, donc de ma mâchoire. J'ai l'impression aussi de moins réagir près de l'ordinateur. Une fois que le diagnostic est porté, il est évident qu'il faut faire un traitement. Et le traitement, si vous voulez, il est basé sur le résultat des tests biologiques que nous avons faits chez ces malades-là. Et d'ailleurs, les tests vont servir à apprécier l'efficacité biologique du traitement. Alors aujourd'hui, si vous voulez, ces traitements, avec un protocole standard que nous avons mis au point, nous sommes les premiers au monde à avoir mis au point, nous permet d'obtenir environ 7 fois sur 10, c'est-à-dire dans 70% des cas, une régression, si ce n'est une disparition, des symptômes d'intolérance. Donc ceci est un résultat absolument
fondamental, car ces malades peuvent revivre normalement. C'est d'abord et avant tout un revascularisateur cérébral qui marche dans 100% des cas. Deuxième point, les tonifiants du système nerveux. Troisième point, les antioxydants. Quatrième point, les antihistaminiques. Traitement, oui, pour ce qui est de l'intolérance, mais bien sûr, associer systématiquement au traitement des mesures de protection pour éviter l'électrosensibilité. Quand on est devenu électrosensible, c'est une précaution drastique. Aux mesures précédentes, c'est-à-dire aux mesures de protection générale, il faut y ajouter des mesures de protection particulières. Alors, en particulier, d'abord au niveau de l'habitat, il est évident qu'à ce moment-là, il faut transformer son lieu d'habitation en cage de Faraday. Je demande le démontage d'antenne, on me rayonnait, je dis ça doit être à cause de ça, on me rayonnait. Donc je blinde l'appartement, donc les fenêtres qui sont exposées aux antennes qui viennent de l'extérieur à 200 mètres, je les blinde avec du tissu. Je trouve des tissus, ça me coûte très cher, il faut plusieurs mètres pour couvrir une grande fenêtre, je mets ça sur toutes les fenêtres. Je passe d'une dose de 2 volts sur le balcon à 0,2 volts à l'intérieur derrière le tissu. Donc je dis ok, ça marche, c'est efficace, c'est bon. Et en effet, presque instantanément, j'arrive à redormir, j'avais perdu le sommeil complètement, je redors derrière mes bouts de tissu, mes blindages, je dors mieux, ça va un petit peu mieux. Il y a effectivement des protections qui existent, il y a des peintures par exemple qui sont imperméables aux radiations que nous recevons par nos téléphones portables, n'est-ce pas ? On peut donc faire des salles de cinéma, par exemple ces peintures, où les gens ne peuvent pas utiliser leur portable. On a décidé vraiment de peindre toute la pièce avec une peinture au carbone, une peinture graphite, qui a comme principe d'arrêter les ondes au même titre qu'une cage de Faraday. Donc à ce moment-là, toute notre chambre est vraiment devenue une cage de Faraday. Donc ici, en fait, bon, pas moyen de mettre de la peinture sur les fenêtres. Donc ce que j'ai mis, en fait, c'est une moustiquaire métallique en acier inoxydable. Il est évident que là encore, certains malades vont être obligés de déménager car ils ne supportent plus, même lorsqu'ils ont transformé leur appartement en cage de Faraday, ils déménagent. Donc ici, ben, on a tout repeint, en fait, hein, même les portes. Donc on les a poncées, on a mis la peinture noire et puis une couche de finition au-dessus, et donc tous les murs. On a également donc enlevé le plancher stratifié et j'ai peint la chape avec cette peinture. Et on a tout relié à la terre. Donc on a une cage de Faraday, je dirais, complète ici dans la chambre. Je m'adresse non seulement aux médecins, bien sûr, pour essayer de faire, si vous voulez, en sorte qu'il y ait cette reconnaissance de l'intolérance électrosensibilité, mais également aux associations d'aide aux malades pour qu'ils prennent en considération l'aide sociale et que, si vous voulez, ils aident ces malades-là à se réinsérer dans la société. Pour la population générale, il y a des règles formelles. Protection des femmes enceintes. Protection, car c'est le fœtus qui est le plus vulnérable. Et là, il est clair qu'il faut recommander aux femmes enceintes de n'utiliser le portable que le moins souvent possible. Même chose, ne jamais, pour une femme enceinte, ne jamais faire d'ordinateur avec un système Wi-Fi. Et toujours utiliser un écran plat. Jamais d'écran cathodique. Le champ électromagnétique qui est émis par un écran cathodique est 10 fois plus important que par un écran plat. Donc, s'il y a nécessité de faire, si vous voulez, un travail d'ordinateur, limiter chez les femmes enceintes le temps d'exposition, même à un écran plat, et en tout cas ne jamais utiliser le Wi-Fi. Pour l'enfance, ne jamais utiliser de portable, ne jamais confier un portable à un enfant de moins de 12 ans. C'est une recommandation qui existe dans certains États membre de l'Union européenne, c'est une recommandation qu'il faudrait avoir dans notre pays. Malheureusement, quelle politique aura, si vous voulez, le courage de dire cela? Je m'adresse aux parents d'enfants pour leur dire, ne faites jamais pour les fêtes, quelles qu'elles soient, ne vous offrez jamais un portable en cadeau si votre enfant a moins de 12 ans. Utilisez le portable moins de 20 minutes par jour, pas plus de 20 minutes par jour, par séquence de 6 minutes, jamais plus de 6 minutes. Et de toute façon, si vous commencez à avoir une douleur ou une, si vous voulez, une chaleur au niveau d'une oreille, vous êtes déjà vous êtes entré dans l'électrosensibilité. Si vous avez aussi des fourmillements, des picotements qui apparaissent au niveau du visage, au niveau d'une main, vous entrez dans le domaine de l'électrosensibilité. Et là, il faut déjà prendre ses précautions. Et je dirais qu'à ce moment-là, d'une part, supprimer le DECT à domicile, bien sûr, mais également, si vous voulez, utiliser le moins possible le portable. Les témoignages que nous avons recueillis démontrent qu'il est possible de se sortir de son électrosensibilité ou de son intolérance aux ondes. Oui, mais demain.
il est évident que les innovations sans fil ne vont pas s'arrêter dans les années à venir. De nouveaux réseaux comme la 4G ou les autres fréquences que préparent les opérateurs vont venir encore s'ajouter à notre environnement, déjà saturé et gorgé d'ondes. Le risque de devenir subitement intolérant aux ondes va donc lui aussi augmenter. Une étude prospective réalisée en 2006 analyse l'évolution de la population électro-hypersensible en Europe. Leur nombre n'a cessé de croître. À ce rythme, d'ici 2017, une personne sur deux serait susceptible de devenir électro-hypersensible. Comment faire ? Il y a bien sûr la possibilité de s'éloigner, de quitter la ville et d'aller s'installer dans ce qu'on appelle des zones blanches, des zones préservées de toute pollution électromagnétique, où les ondes de la téléphonie mobile n'existent pas, ou très peu. Le problème est que ces zones blanches, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'il faut créer des zones refuges ? Décréter des parcs ou des réserves à l'abri des ondes ? Allez savoir. À moyen terme, la solution la plus pertinente serait de diminuer l'exposition globale de la population. C'est d'ailleurs le sens des recommandations de l'AFCET, formulées en France en 2009, qui appelle, par principe, à diminuer aussi bas qu'il est raisonnablement possible les expositions de la population à tous les rayonnements, en particulier ceux du téléphone mobile et du Wi-Fi. C'est aussi le sens de plusieurs recommandations politiques adoptées récemment, comme celle de 2009 au Parlement européen et celle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, votée en mai 2011. Les sacrifiés des ondes sont en fait des sentinelles qui nous préviennent d'un risque pouvant tous nous toucher demain. Cela dépend maintenant de nous, de laisser ou non les choses continuer ainsi. Ces aspects sur la médecine, sur le rôle des radiations, etc., ça touche à des problèmes de société, n'est-ce pas ? D'abord la santé, n'est-ce pas ? La santé, elle coûte de plus en plus cher, et la sécurité sociale a beaucoup de mal à suivre, n'est-ce pas ? Parce que les examens sont de plus en plus raffinés et coûteux. On va vers une révolution de la médecine qui est celle de la prévention, n'est-ce pas ? Il faut empêcher justement que les malades aillent dans ces phases ultimes où on ne peut plus rien faire, qui sont irréversibles. Alors qu'au début, si on les prend au début, on va pouvoir arrêter l'évolution. Je rêve de centres de médecine préventive où on associe donc des techniques de laboratoire très poussées, moléculaires, électromagnétiques, à des médecins qui écoutent, qui ont le temps d'écouter. Et surtout qui vous donnent des conseils, pas des grands médicaments toxiques, mais des conseils, des prescriptions de médecine douce, si on peut dire, de produits naturels, qui vont empêcher cette évolution. Au niveau d'agriculture, n'est-ce pas, on va faire de l'homéopathie pour traiter les plantes, par exemple, n'est-ce pas ? Des hautes dilutions pour traiter, empêcher d'utiliser des pesticides à forte concentration. Une toute petite dose peut peut-être avoir le même effet. C'est une question, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que ça existe, mais c'est une question. Voilà, c'est mon rêve. Le progrès, entre guillemets, puisque c'est vrai que le téléphone portable peut sauver des vies, hein, en tant que cardiologue, je le sais bien, le progrès doit être utilisé à notre profit. Et réduire le bain électromagnétique, ça n'empêchera pas que les téléphones et les antennes relais marchent, je peux vous l'assurer, et ça apportera une sécurité sanitaire dont les Français et tous les gens soumis à ces zones ont besoin. Ils ont besoin de se sentir mieux, de ne pas être malades, alors qu'on pourrait l'éviter. On n'a pas à être otage des industriels. Le four à micro-ondes, on sait qu'il émet des champs électromagnétiques, mais en général, on ne met pas sa tête dans le four à micro-ondes. Et moi, j'ai toujours recommandé à mes gamins, quand ils étaient petits, je leur ai dit, c'est pas la peine de regarder cuire les aliments. On peut s'éloigner. Ce qui peut être toléré, c'est de mettre le haut-parleur. C'est pas toujours possible, mais c'est la seule solution qu'il faut faire. Bien sûr, ne jamais tenir son portable près du cœur, c'est absolument inacceptable. Ça veut dire que le cœur fonctionne avec un champ électromagnétique naturel. Si vous perturbez par un champ électromagnétique artificiel qui va venir s'ajouter au champ naturel, vous perturbez le fonctionnement du cœur et vous risquez l'apparition de troubles du rythme cardiaque que je vois en consultation. Les opérateurs appliqueront la loi. Il nous faut donc changer la loi. Chauffer la matière plastique, ce n'est pas très bon, puisque ça va faire relarguer un certain nombre de produits dans l'alimentation, d'autant plus que les aliments à l'intérieur du récipient en plastique sont riches en matière grasse. Et donc je pense que finalement, une des choses qui est les pires pour la santé, c'est d'utiliser des biberons en plastique dans le four à micro-ondes contenant du lait. Ne pas téléphoner dans la voiture, puisque votre voiture va faire cage de Faraday, le rayonnement va rebondir dans la voiture ou dans les endroits où la captation est faible.
dans les caves ou dans le métro, par exemple, où là aussi le rayonnement, comme le téléphone va chercher l'antenne, va émettre un rayonnement puissant pour chercher l'antenne si justement la captation est faible. Donc dans les endroits mauvaise captation, dans les endroits fermés, vous évitez. Mettez le kit piéton, le rayonnement à 1 mètre sera beaucoup plus faible. Utilisez-le et si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre un haut-parleur si vous êtes tranquillement chez vous. Alors je prends pas mal de lavande. Pour tout ce qui est respiratoire, puisque l'appareil respiratoire est touché par les champs électromagnétiques aussi, surtout par le Wi-Fi, j'ai l'impression, hein, ça c'est mon ressenti personnel. Hein. Donc tout ce qui concerne la respiration. Donc l'essentiel de pain, des mélanges type niaouli, beaucoup de lavande, surtout la lavande. Et vous avez également le problème des écoutes bébé. Ne collez pas le téléphone près du bébé quand vous êtes dans une autre chambre avec ses écoutes. En ce qui concerne le port du portable sur vous hors communication, il est écrit dans le manuel qu'il faut une distance à peu près de 2,5 cm de votre corps. Donc on sait que l'antenne est au dos du téléphone, donc mettez plutôt, si vous n'avez pas d'autre solution, mettez plutôt le clavier vers vous. Ceci dit, si vous avez une petite pochette qui respecte cette distance, eh bien, vous respecterez les conseils des opérateurs qui, pour une fois, vont dans le bon sens. Je conseille souvent aux électrosensibles, aux hyper-électrosensibles, quand ils doivent venir en ville, par exemple, pour venir me voir, de se mettre un peu d'huile essentielle de lavande au niveau des tempes, au niveau de la nuque, parce que l'effet vibratoire de la lavande, de l'huile essentielle de lavande, va leur permettre de mieux supporter les ondes néfastes qu'ils vont avoir à subir pendant le temps où ils seront, les quelques heures qu'ils vont passer en ville. De la même façon, je leur conseille d'en mettre sur leur ordinateur quand ils doivent envoyer des mails ou quand ils sont dans l'obligation de téléphoner. Encore une fois, c'est un coup de fusil, hein, c'est un effet qui est un effet provisoire, mais c'est un effet qui est objectivement extrêmement spectaculaire. Vous avez également le problème du débit d'absorption spécifique, le fameux DAS, qui doit être le plus bas possible. Alors, il y aura une certaine toxicité, mais si ce DAS est faible, elle sera moindre. Donc, on n'est pas toujours le kit piéton à portée de main, hein, je le reconnais. Donc, à ce moment-là, choisissez plutôt des téléphones avec ce DAS le plus bas possible. Lisez bien l'étiquette, demandez bien au vendeur quel est ce DAS, et choisissez le plus bas possible.